Ok. Alors, on en était à la chasse à Nabil. Nabil, t'es où? T'es Nabil? Non, c'est pas Nabil ça. Non plus que j'oublie les topiqueurs. Donc lui, il cherche du miel normalement. Pour mon Pokémon. Faut le trouver. Hein. Attends, il y a un atu là. C'est un atu ça. Pas du tout un atu. Là que je dois aller. Si, il est bien dans la forêt réflexion. La réflexion. Et bon, je... Débile, t'es où? Débile. Ouh. De pierre plante. La recherche de Nabil qui va durer 2 heures. Nabil. Nabil. Crado vague. Putain, il a une couronne sur la tête. Mec, il détruit. Silence! Ah oh, putain, me dis pas qu'il est à l'entrée en fait depuis le début. Enculé! Te voilà enfin, Ori! J'ai failli me fossiliser à force de t'attendre! Rien à voir avec la forêt de Lumirinthe ici. Mais tellement chaud et humide que je dégouline de sueur. On s'est partagé la tâche avec Sonia. Elle a choisi d'aller faire ses recherches dans une zone gelée. J'avais su qu'il ferait aussi chaud ici. Elle a choisi le froid. J'ai fait un petit tour dans la forêt réflexion en t'attendant. J'ai aperçu des Fragiladies. Ah bon, carrément. Et des vers pommes. Je sais que leurs fleurs et leurs fruits produisent du miel, alors allons chercher pour voir si c'est celui de que Chifour s'apprécie. Nabil veut pas me combattre. Pas normal. Cherchons du miel. Mais. Ça c'est une Fragilady. Tout mimi. Oh, un chlorovule. Il évolue en Fragilady, à des Pokémon qu'on recherche. Ce chlorobule n'a pas l'air dans son état normal. C'est vrai maintenant que tu le dis. Il est tout petit. Tu crois qu'il a perdu sa maman? Hé, hey, doucement! T'es vraiment perdu alors? Ah là là, il veut plus me lâcher! Il doit vraiment avoir peur, le pauvre! Oui, il faut qu'on l'aide! Il veut ramener sa maman, Frigilady, jusqu'ici! Je ne peux pas me déplacer avec ce petit accroché à moi comme ça! Ce serait trop dangereux! J'attends ici! Mais c'est pas un film d'horreur ce jeu! On est dans un. C'est l'ambiance film d'horreur! Il faut trouver un Fragilady. Fragilady! You! Des piquants. Ah, c'est pas un Fragilady ça. Du coup, j'ai trouvé un Topiqueur. Alors que je cherche Fragilady. Oula, allez. Oh, c'est Mimi, c'est tout petit! Un croupignon. C'est un croupignon. Allez, on va un croupignon. Allez, hop, direct. Oh, ça, c'est facile à capturer, non?
Easy peasy, très bien. Ça, c'est fait. Il y a un Pokémon de plus dans ma collection. Merde, il a un petit champi en plus. Ah, j'y l'ai dit. C'est un guérillon. Ouais, j'ai le dé. Elle est là. Je l'ai trouvé. Elle a trouvé fiston. Ellipse ou... Et maintenant, j'ai deux Pokémon qui me suivent. Pas de combat, 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 pas de combat. Putain, il a apparu de nulle part, cet enculé. Sale bête. Combat de primates. Non, on va éviter. On se calme, les macaques. On se calme. Et toujours la fragilité. On a perdu fragilité. Putain, il y a un Pikachu. Bon, on va voir si. Ça y est, t'as trouvé fragilité. Bah, elle est où? Tu penses avoir perdu un chemin? Fais marche arrière pour la retrouver. Putain, non. J'étais trop vite. La perdre, hein. Je me suis paumé. J'ai franchi un pont, ça je me rappelle bien. Il devrait être quelque part par là. Hop, hop, hop. Ça, c'est pas Fragilidy, ça, ça c'est. Eh oui, je l'ai perdu. Je sais plus où elle est. Oh putain, c'est chiant. Je l'ai dit, t'es où? Ah, elle est lente en plus. Je fais que marcher. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite. Bon, elle arrive à suivre. La fameuse technique du... Tu dois pédaler lentement sans tomber du vélo. Droite-gauche, 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 droite-gauche. Même pas où je vais, là. Même pas si c'est par là. Nabil! Fait intimider par un scarabrut. Nabil! Oui, t'as retrouvé sa maman! On peut avoir du miel. Trop mignon les retrouvailles. Je crois que Fragilady veut te remercier, Ori. On remercie nous deux, hein, à la rigueur. Hein, qu'est-ce que c'est? Du miel?
Oh, quelle chance! Vraiment du cul, bordé de nouilles. Hein. Au revoir, Chlorobule! Au revoir, Fragile Eddie! Super Ori, Fragile Eddie nous a gentiment donné un peu de miel! J'espère que c'est bien celui qui est décrit dans mon livre. Voyons voir. Il est quand même très liquide. C'est pas le miel crémeux qu'on recherche. On a fait tout ça pour rien. Oh bah, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Mais on a quand même fait une bonne action. Ok, prochaine étape, tester le miel de vert pomme. Vert pomme. Vert pomme. Miel de vert pomme. Oui, vert pomme. Qu'est-ce qu'il y a, brut ? Plouf, plouf, à gauche. D'accord, c'est... Alors, l'écrit des Pokémon, c'est pas trop mon truc. Hein. À part la première génération. Vert pomme. Vert pomme. On va visiter toute la forêt pour trouver Nabil, qui est encore plus dur à trouver. Là, là, il doit y avoir des verres pommes ici. Pourquoi il n'y a pas Nabil? Il est toujours dans la forêt, ce con. Trouver Nabil. Nabil! Nabil! Ça reste une partie de la forêt que je n'ai pas visitée. Une carapace mue. Un gros cuit. Un gros champi, pardon. Et où, trou du cul? Vous savez quoi? On va faire la technique du je tourne dans, toujours dans la même direction. Ah, mais c'est des autres herbes que je confonds avec autre chose, ça vaut le faire. Ah bah, j'ai trouvé un topiqueur, voilà, je m'en doutais. Il n'y a plus que deux topiqueurs dans cette forêt. Là, il est plus facile de trouver des topiqueurs qu'un habile. Pas normal. Nabil, t'es où, Nabil? Nabil! Nabil, t'es où? Derrière le pont. Oh là là, hop hop hop. On en rond, ça se voit. Hein. Top. J'ai trouvé un topiqueur, je m'en doutais. Regarde que j'ai capté rien, t'as rien un truc, mais je m'en fous du champignon. Je voulais le topiqueur, mais casse-toi, toi. Pulchera, là. Casse-toi. C'est le topiqueur, je mets le topiqueur. J'ai eu le topiqueur. Il ne reste plus qu'un topiqueur. C'est-à-dire qu'il y a encore un endroit dans la forêt que j'ai pas visité. Ou du moins que j'ai pas fait assez attention pour trouver un topiqueur. Ça se trouve, je suis déjà passé devant deux fois. C'est de là, c'est l'entrée avec Nabil. Bon, on va longer. À gauche, c'est de rien. À gauche, c'est de rien. Un noix-grume noir. Ah bah, j'ai quasiment tous les noix-grumes, là. Je vois que je dis ça, il m'en manque toujours un. Nabil, t'es sorti? Évidemment que non, tu n'es pas sorti. Ouais, le 50 Quatermac là. Vous êtes un petit peu trop nombreux. Oui, j'ai vraiment pas trouvé Nabil.
Nabil, si c'est une blague, elle est pas drôle. Ça va que ça va, moi, j'ai une aventure à continuer. Des Pokémon à capturer, des Topikers encore plus relou que toi à trouver. Fais pas attention à la partie droite. Hein. Il n'y a point de Nabil. Nabil, t'es dans cet arbre! Ouais, c'est un arbre à noix agrumes en plus. Attendez. Allez, deux secondes. Il est toujours dans la forêt, ce petit con. Nabil, t'es tombé dans l'eau? T'es noyé? T'es noyé, hein. Question, qu'est-il arrivé à Nabil? Ah, bah j'ai trouvé un verre pomme. Eh ben, tant pis, je me démerde tout seul. Ah, voilà un verre pomme! Eh, attends, verre pomme! Où est-il passé? Qu'il est con, ce Nabil. Je suis sûr qu'il est parti par là, pourtant. Faut qu'on retrouve ce verre pomme! Hein, t'as vu quelque chose dans cet arbre à baie? Cet arbre mue beaucoup. C'est un simul-arbre. Aïe, l'arpomme vous est tombé sur la tête. Bah moi, c'est pas un pot d'épices qui m'est tombé sur la tête, donc tant mieux. Ah, il s'est encore carapaté! Oui, sans vouloir t'affoler, il y a un truc bizarre qui dégouline de ta tête. Le verre pomme m'a chié dessus. Mais attends, c'est du miel de verre pomme. Génial. Même s'il nous a échappé quand même, réussir à trouver ce qu'on cherchait. Voyons voir si ce miel a la consistance dont Chifour se raffole. Non. Il doit être crémeux. Mais c'est liquide qu'on dirait du jus d'ailleurs. Encore raté. Résultat des cours, je crois que le miel de plante était une mauvaise piste. Les miels de Frégilidide vert pomme étaient beaucoup trop liquides pour en plaire à Chifours. Ça s'appelle avoir la chiasse. Rien à voir avec le miel crémeux qu'on recherche. Je suis précipité vers la forêt car je sais que le miel provient des plantes à la base, mais peut-être que j'ai oublié une étape. J'ai une apirène, ça t'intéresse? Oh, un venipate! Il est mignon comme ça, mais il peut fabriquer un venin extrêmement dense dans son corps, à partir de ce qu'il absorbe. Bah, du miel. Oh, mais ça me revient, j'ai oublié le détail super important! Faut empoisonner! Pokémon plantes produisent pas du miel! Mais du nectar, pour obtenir du miel, faut d'abord qu'un Pokémon transforme ce nectar, tout comme Venipat fabrique du venin, à partir de ce qu'il absorbe. C'est pour ça qu'ils étaient pas si liquides. Voilà! Faut savoir quel Pokémon serait capable de créer du miel à partir de nectar. J'ai dans mon équipe. Je pense que c'est un secret pour personne. Un Pokémon mouton? Non, un Pokémon ruche. Ah ouais, un Pokémon ruche. On dit, il nous faut l'aide d'un apirène. Tu vois de quel Pokémon je parle? Voyons voir. J'en ai un. Voilà, les incohérences du jeu. J'ai un apirène, va pas me servir. Crois qu'on pourra en trouver sur une île hexagonale, près de la tour bleue. Ok, on se trouve là-bas. A plus, Ori.
Ou alors... je fais équipe. Et voilà. Ils sont en train de chercher une apirène pour rien. Ah, c'est relou. Allez, on retourne au sud maintenant. J'ai toujours pas trouvé le dernier topiqueur par contre. Il va me manquer un topiqueur dans chaque zone. Je vais vachement m'énerver. Est-ce qu'ils sont de côté? Et c'est par là, je me suis planté. On descend par là. Est-ce qu'ils sont de côté? Par là. Ah ouais, il y a une îlot là-haut. C'est ça là-bas. Là, ça va être facile de trouver des topiqueurs s'il y en a. Je me suis fait avoir, je vais me faire attraper, Oh putain, il y avait un Walmer. Il est à deux doigts de me courser. Je crois que je l'ai eu. Il y a vraiment des ondes partout. Hein. Un pot de miel, bah voilà. Je suis sûr qu'il y a des topiqueurs ici. On va aller chercher les topiqueurs. On va choper tous les... Oh putain, les bonbons XP. Il y a forcément des topiqueurs ici, c'est obligé. C'est dégueulasse qu'il n'y ait pas de topiqueurs ici. Là! Dix topiqueurs sur l'îlot. Il y a 11 topiqueurs ici. On peut les trouver, hein. Oh, wow, il y a trop de fleurs. Mais j'ai trouvé le topiqueur. Je vais avoir plein de Pokémon d'Alola. Et 8 topiqueurs encore ici. Merde, non. Il n'y a pas de morceau 2. Il va même y avoir 2 topiqueurs sur un même pétale. Ça fait 3. 4. Des bonbons XP quand même. Il y en a plein. Hop, il y avait 2 topiqueurs sur le même pétale, donc voilà. Ça au moins c'est réglé, il y a plusieurs topiqueurs dans une même pétale, possible. Il peut y en avoir aucun dans la même pétale. Là j'en ai pas trouvé, logiquement. Ah, il y en avait un là, putain la vache. Oh, fallait le voir celui-là. Il ne reste plus que 5 topiqueurs à trouver. Rythmique, tu me gênes. Et là non plus, j'en ai pas trouvé. C'est bizarre. Une petite mèche blonde de rebelle, non, vous n'avez pas. Bah, forcément un topiqueur ici, ouais. Je m'en doutais. Il ne reste plus que 4 topiqueurs. Ouais, je suis trop bien. Boule pollen. Du miel. Vous me gênez tous les gens. 3 topiqueurs. Hi Mod Bacon. Oui, par ici. Il y a des apitrini dans le coin, mais je pense pas qu'ils fabriquent le miel crémeux qu'on recherche. On a plus de chances d'en dénicher auprès d'un apirène, mais je sais pas où en trouver. Dans mon équipe.
Tiens, mon détecteur de source d'énergie s'affole. Enfin, c'est celui de Sonia, mais bon. Non. Je crois qu'il a réagi à cet arbre. C'est un apyrène gigamax. Il y a un truc pas net qui se trame. Allons inspecter cet arbre. Inspection surprise de l'arbre. Où est-ce que tu planques ta drogue? Une puissante odeur de miel se dégage. Allez-vous le secouer? Oui, des noix grumes. Noix grumes dorées. Putain, il est fort à secouer cette arme. La vache. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, tu secoues un arbre, il y a un nid de guêpe. Ah ouais, c'est bien. Merde, ça va être gigamaxé, ça. Ouah! C'est un ronflex. Un être non identifié sort de l'arbre et vous traite de force dans un antre de Pokémon. Je suis tout seul contre Apyrène, très bien. La pression. Ah ouais, que dalle. Oh, il a survécu à 1 PV. Parce qu'il m'aime. Oh, la vitesse de la pyrène a augmenté, fichier. Aïe, aïe, aïe. Ça va, je sais comment m'en débarrasser. On va essayer voilà, de lui enlever le maximum quand même. Adieu, Gorithmic. C'est pas grave. 85 quand même. Hein. Logiquement, Fulgudog devrait passer avec étincelle. Vas-y, Fulgudog, ça faisait longtemps. Fulgudo Max. Putain, ça va être chiant. Ça va être chiant. Appel attaque. Ah, fait trop mal. Ah, c'est que j'ai le droit qu'à quelques tentatives là. J'ai mis midlife quand même. Ah, modification de stats. Insectomax. Ah, défoncé. Wouah. Ultra balèze. Hein. Je sais pas si j'ai quelque chose d'efficace. Ah, j'ai la pyrène avec l'âme d'air et rayon gemme. Ah, on va commencer par sort bouboule. On va lui infliger des dégâts de glace exprès. Là, je pense que ça va être bon. Ah, si j'arrive à... Non, je pense que j'arriverai pas à le geler. Envoie Blizzard, vas-y, essaye de le toucher. Acrobatie. Oh, Blizzard, allez, vas-y. Oh, c'est bon. Oh, c'est bien. Bien joué. Coup critique. Oh, ça l'a gelé. Je pensais que ça gelait pas. Oh là là, sort bouboule. A défoncé à Pyrène. Putain, ça, j'ai du cul. Bravo, sort bouboule.
Ah, l'attaque bizarre qui gèle. Excellent. Un combat normal. Suite aux ressources... aux secousses, pardon, du combat, un étrange rayon de miel est tombé de l'arbre. Rayon de Maximiel. Un miel crémeux produit par un apirène Dynamax qui permet d'adoucir le goût de la maxi soupe a également le même effet qu'un rappel max. Wouah! On est venu ici pour trouver un apirène, mais je m'attendais pas à en voir un Dynamaxé! J'ai tellement surpris que j'étais tétanisé! En tout cas, il a l'air super crémeux le miel que tu viens de me ramasser. C'est exactement la consistance qu'on cherchait pour Chifourse. Ça y est, on a enfin trouvé l'élément spécial dont parlait Monsieur Mustard. D'ailleurs, on dirait que c'est ce miel qui a fait réagir mon détecteur de source d'énergie. Ça voudrait donc dire que ce miel est également lié au phénomène Dynamax. Comme le Maxi Champi. Intéressant. J'ai plus de voix. Décidément, ils ont l'armure regorge de mystères à étudier. J'ai vraiment bien fait de venir. Faire mes recherches ici. Bon, maintenant qu'on a trouvé ce qu'on cherche, retournons au dojo. Ah, j'ai des topiqueurs à trouver encore. Laisse-moi juste un topiqueur. Un topiqueur ici. Un topiqueur là. Il ne reste plus que deux topiqueurs à trouver. Deux topiqueurs sur cette île. Sûr que je peux les trouver. Esquive. Oh putain, je l'ai pas esquivé. Un chlorobule. Vas-y, Léopardus. First try. Non, 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 non. Ça va être chiant de me rappeler où étaient les topiqueurs. Et moi je cherche les derniers topiqueurs. Ah, peut-être un au niveau des arts comme ça. Un petit tour un petit peu. Ok, bon, on va commencer par celui avec le rocher. Et pour deux topiqueurs, c'est jouable. Putain, il y en avait un bien caché ici. T'es trouvé. Ah ben, il reste plus que le dernier topiqueur. Celui qui va me poser le plus de résistance, j'imagine. Déjà, pour commencer, je crois qu'il serait peut-être mieux de se remettre en mode sans fil, parce que sinon, les gens, ils vont me cacher le topiqueur qui me manque. J'en suis sûr. Ah ah ! La Magikarp. Arrêter de pêcher, hein. Je vais arrêter de pêcher, hein. Faux sardines, c'est de la merde. J'en veux pas. Ta bonne faux sardine. Je peux pas abandonner alors qu'il me manque juste un seul topiqueur. Il est juste là, je l'ai eu. Vous avez trouvé tous les topiqueurs qui se cachaient sur l'îlot Caméol. Ça veut dire quoi? Dès que j'ai réussi, il n'y a plus de... Oh, c'est grand comme zone ici. Bon.
Temps de retourner au dojo, mais avant toute chose, je vais essayer de trouver le dernier topiqueur d'ici aussi. Là, j'aurais plus ou moins une idée des zones auxquelles j'aurais nettoyé. Là, jusque là. Là, il y avait un topiqueur, ça je m'en rappelle. Ça doit être là. Les hautes herbes, c'est bon, il ne devrait pas y en avoir. Soit au niveau des arbres, soit au niveau du sable. Regardez au niveau de la plage. Super boule. On va continuer à descendre. Et des watts, ouais. Un rondoudou. Là, ça y ressemble à un rondoudou. Ouais, je trouve ce topiqueur et je suis à toi tout de suite. Beaucoup de trucs qui traînent par terre hein, dans cette zone. On peut les éviter. Peut-être c'est par là. Putain, il était juste là ce con. Sale bête. J'aurais fait la moitié, c'est cool. Alors, dans l'ordre, le dojo d'abord. Coucou les enfants! Tiens, tiens, tiens! Mais quelle est donc cette douce odeur qui me chatouille les narines? À votre avis? Eh oui, on a ramené du maxi miel, de quoi préparer un maxi festin pour notre Pokémon Kung-Fu préféré. Déjà, vous avez fait si vite! Quand moi et Ori faisons équipe, on devient imbattable. Je suis bluffé que vous ayez réussi à trouver du maximiel sans un seul indice. Digne de ce nom. Toutes mes félicitations, les enfants. Eh bien que vous faisiez semblant d'avoir oublié ce que c'était. Si on ajoute ce maximiel à une maxi-soupe, même Chifours ne pourra y résister. Le dojo de la maîtrise n'a plus grand chose à t'apprendre, mon petit Ori. Nous pouvons enfin nous affronter d'égal à égal. Attention, je serai sans pitié. Un peu d'entraînement me fera du bien, vu les circonstances. Dès que tu seras prêt à te battre, rejoins-moi sur le terrain de combat derrière le bâtiment. Et attention, tu affronteras le maître du dojo, en mode sérieux, de chez sérieux. Ah, ça y est, on peut aller derrière. Il y a énormément de taf et beaucoup de farming à faire. Il est vrai que le maître avait un mode sérieux de chez sérieux. Vraiment pas rigolé. Quand même lui qui a entraîné mon frangin. Il doit être super balèze. Et comment? Oui, ne baisse surtout pas ta garde pendant ce combat ou tu le regretteras. Quant à moi, je vais reprendre mes recherches. C'est pour ça que je suis venu ici après tout. Bon courage, Ori. Tu vas assurer, comme d'hab. Et t'inquiète pas, je serai là pour te soutenir quand tu affronteras Monsieur Moustard. Yo, Dacrobot, je vais super bien, j'espère que toi tu vas bien. Alors déjà, on va régler quelques petits soucis. Je crois que ma boîte numéro 15 est remplie de Pokémon, qu'il faudrait mieux pas qu'ils soient là. De toute façon, il va falloir que je trie tout ça. Quel bordel! Prison n'est pas la bonne place non plus. Un denden géant. Alors on a quoi? On a un trompignon.
On a ça. Et je crois que c'est tout. Hop. Et changement de boîte, la boîte numéro 26. Je pense que je vais mettre tous les Pokémon de d'Alula au même endroit. Hein. D'ailleurs, à ce propos... Tiens, te voici. J'ai retrouvé 17 topiqueurs de plus. Ici, tu as trouvé 62 topiqueurs. Il en reste encore 89. Il y a déjà au moins 50 topiqueurs. C'est bien, continue comme ça. Tiens, accepte ce Pokémon. Il vient d'Alola. Un ossature d'Alola. Super. Ça commence à vraiment être... vénère, hein. Je vais avoir un autre coucou d'Alola. Non. Rien du tout. Je suis à 62 sur 75, putain la vache. Ah, il est pas sympa. Pas très gentil. Je vous donne mes 4000 watts. Donc 41 000 de watts de plus, putain la vache. Faut beaucoup de watts, hein. Bon, on va refaire un peu de tri. Déjà, les Pokémon d'Alola, je vais les mettre en boîte 22, tiens. Hop. Allô. Alors, le premier, c'était Meowth. Amoulos classique. Le Goopix d'Alola. On manque quand même. Il en donne si peu que ça des... Tablette, ouais, ça n'a pas de problème. Le Raichu. Bon, je vais quand même pas me spoiler, mais il m'en manque quand même. Denden, non. Doudou, Carapuce, non. Instari, non. Ravi. Hippat. Non, c'est bon. C'est bon. C'est pas des formes d'Alula. Bon, je les ai tous. Tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Retrouver par contre quelqu'un. Au niveau de la grotte. Oula, qu'est-ce que j'ai? Mais le Kélocro, on s'en bat les couilles. On est d'accord, on s'en fout. Il pleut. Les signes d'eau. Pétain, deuxième. Sale bête. Ouais, en fait, j'ai un canard artichaut finalement. Il est juste la boîte de l'eau. Ah, c'est génial, je cherche partout depuis une éternité, t'es vraiment d'accord? Oui. Et un canard artichaut classique. Hein. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Oui. C'est histoire d'avoir les formes de Galar et classique. Ça complète mon Pokédex. Ah, je suis trop contente, j'en prendrai grand soin. C'est fascinant de voir comment les Pokémon changent de forme selon les régions. J'espère qu'on pourra se faire d'autres échanges. Ok. Alors.
pas de sang de Pokémon. Magasin de baies, magasin d'ingrédients, boutique de boîtes, spécialité des vélos, dresseur de tout piqueur, garde d'isolé armure, dojo de maîtrise. Il n'y a pas de centre. Si je veux un centre Pokémon, je vais aller là. Donc peut-être qu'il me faut 50 millions de watts. Pour avoir un truc à manger. On va retourner au dojo du coup. Hop. Combien les boissons? Mais ça coûte cher Pour devenir plus forte que les autres, il faut que je redouble d'efforts. Mais si c'est relou... Je t'ai pas dit, en arrivant ici, j'ai vu un des champions d'arène de Galar à la guerre. Peut-être que tu croiseras son chemin, toi aussi. Ah, il y a un champion. Ah, c'est peut-être un des champions que je connais pas. Oh, ce serait cool. Attends, on les aura rencontrés, on aura leur carte aussi. Ce sera les deux derniers champions que j'ai pas, moi. Bon bah bref, je pense que ce sera bon pour moi ce soir. On se retrouve du coup mercredi pour un OTK Live. Un OTK Live auquel je participerai. Un OTK Live où je vais jouer très très fun. Je pense que je vais pas me prendre la tête sur l'OTK Live. Ensuite, on se retrouvera samedi pour notre séance de souffrance. Souffrance pour moi, bonheur pour vous. Même si en ce moment, c'est plutôt bonheur aussi pour moi. Puisque les séances de Super Mario Maker 2, grâce à Ultra Dimensio, qui me propose des super mondes classiques, des super mondes où j'ai l'impression de rejouer un nouveau jeu Super Mario Bros en fait. Généralement sur Wii. Et Wii U en fait. Donc voilà pour la séance de Super Mario Maker 2, mais n'hésitez pas à me proposer vos niveaux via sur YouTube, via par email, etc. Vous avez tout ce qu'il faut. Sorry to ask you, but do you have a not good speed Daito, that's fine? Ah, j'ai qu'un seul Daito et... Oui, but I have only one Daito in my collection. And he is in my pension. Voilà, donc, désolé, j'étais en train de répondre à un anglais, j'espère que j'ai bien répondu. J'en étais où? Ouais, on se retrouvait du coup samedi, je disais, pour la séance Super Mario Maker 2. N'hésitez pas à proposer vos niveaux pendant que je fais le Super World, ou si vous voulez le faire hors live, proposez-le moi en commentaire sur YouTube, etc. Et sinon, on se retrouvera lundi prochain pour la suite de nos super aventures sur Pokémon version épée. Sur ce, moi je vous dis bonne nuit plus plus. Tchuss, c'est Jean.